Yann Coquet face à Nazim Djennadi chez les moins de 75 kilos en 3 reprises de 3 minutes dans les règles du K1. Quand je dis break, c'est la même chose. Ouais, Yann avec son papa Dany derrière avec le t-shirt blanc. Yann, qu'on suit de loin, loin sur Fight Plus, dans le Fight Tour. On l'a vu passer classe A sur nos antennes. On l'a vu plusieurs fois combattre en 3 fois 2 minutes à ses débuts. Puis maintenant, voilà, ça y est, il a franchi il a fait le grand saut en 3 fois 3. Et c'est plutôt un bon boxeur. Mais maintenant, à 27 ans, j'ai envie de vous dire, faudrait que ça s'accélère un petit peu pour lui. Parce qu'il a eu quand même quelques bons résultats, mais pour ce qu'on l'a vu faire et pour ce qu'il a envie de faire, il y a quand même un petit déficit pour l'instant pour Yann Coquet. Donc puisque nous sommes au début de l'été, il y a les examens qui sont tombés, on peut dire que sur le bulletin on va mettre bien mais peut mieux faire. C'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça. Bien mais on a envie de le voir mieux faire. Oui, bien sûr. Voilà. Non, il va continuer de progresser, Yann Coquet. On lui fait confiance. Ah, puis il y a des fois des paliers à passer. Hein. Voilà, parfois on stagne un peu sur un palier, puis un déclic, on passe à autre chose. Ce déclic, ça peut être ce combat face à Nazim Djennadi. On va voir. Oui, on serait plutôt. On l'a déjà vu boxer plusieurs fois, Yann. C'est peut-être aussi un peu dans la tête, quoi. Se lâcher à certains moments. Parce qu'il a beaucoup de choses hein, dans son style et dans sa boxe, hein, Yann Coquet. Attention, hein, c'est un beau boxeur, c'est un bon boxeur. Oui, et puis il y a le boxeur, et puis il y a aussi le terrain où il s'exprime, où il s'entraîne. Oui. Et parfois, il suffit de changer, par exemple, d'entraîneur, de club, et on boxe différemment, on apprend des choses. Et ça ne veut pas dire qu'on a quitté un entraîneur qui n'était pas bon pour un qui était meilleur. Ça n'a rien à voir. C'est que tout simplement le changement d'environnement. Peut-être que quelqu'un d'un autre club arrivera dans un autre, et puis ça se passera aussi de la même façon. C'est parfois des compléments qu'il faut aller chercher ailleurs. Tout ça, voilà. Créer un déclic pour se remettre en cause. Alors, on n'encourage pas du tout Yann Coquet à quitter le club de son papa. Hein. Loin de nous. C'est hérésie. Mais n'empêche que parfois, il faut aller s'inspirer aussi ailleurs. On s'enferme. Voilà. En tous les cas, c'est quand on a l'impression de stagner, il faut s'interroger. En tout cas, c'est un combat qui est bien parti hein, chez oui, les 80 kilos. Puis Djennadi qui on voit, c'est une boxe. Il est malin. Il, ah oui. il attire l'attention sur le haut. Il boxe en bas. Une fois qu'il a frappé en bas, il remonte tout de suite avec les mains en haut. Ça c'est bien fait, voilà. Alors qu'il venait justement de toucher en haut. C'est bien vu, hein. Et on voit bien, on sent bien cette différence. Oh oui, le front kick. Et on sent bien cette différence entre un Yann Coquet appliqué, qui a envie de bien faire. C'est bien. Et puis Nazim Djennadi, plus détendu, décontracté, plus artiste. Plus fluide. Hein. D'accord. Non mais j'ai envie de vous dire, plus fluide, et je dis fluide à dessein parce que ça ne veut pas dire que Yann Coquet n'est pas capable d'enchaîner les choses. Mais on voit bien cette fluidité, on voit bien ses actions du côté de Djennadi, alors que du côté d'Yann, il y a par moment quelque chose de plus laborieux, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, on sent que ça lui demande beaucoup d'efforts. Le problème des low-kicks, tu gagnes sur des low-kicks, il ne bouge pas, tu mets des low-kicks, mais quelque chose, donne des points, allez on y va. Ah oui, ça. Alors que Yann montait la jambe gauche pour bloquer, c'est sa jambe d'appui droite qui a été prise, d'où ce déséquilibre. Et on a entendu Dany Coquet hein, dans le coin de son fils dire on fait quelque chose, mets des low-kicks. Et il a raison Dany, parce que voilà, et c'est bien ce qu'il fait là Yann, c'est-à-dire le basique en fait, repartir sur le basique pour retrouver de la confiance et se remettre dedans. Et le basique, bah, c'est de commencer par des low kicks pour commencer un petit peu à martyriser les jambes de l'adversaire.
le rendre moins mobile, le perturber en bas et puis à un moment travailler en haut. Et il a parfaitement raison, Dani. Et c'est vrai qu'on voit par moments dans des combats des boxeurs qui ont la volonté d'assister en haut, de mettre des grands coups de poing, de se dire. Ça, c'est joli. Alors qu'en fait, ben, c'est peut-être une façon de prendre le problème à l'envers. Et face à un boxeur souple, plutôt délié, plutôt rapide et plutôt décontracté comme Gennady. Et par contre, il qu'il verrouille un peu ses mains, là, parce que, qu'il vise bien, parce qu'il t'arbitre sa vigilance, qu'on l'a vu frapper un peu avec l'intérieur des gants. Hein, imagine Gennady, Coquilla. Mais Gennady, il est intéressant parce que quand on l'a vu faire ses petites séries là avec les mains un peu flottantes, un peu comme des petites gifles, on se dit c'est un peu de l'esbrouf, c'est-à-dire c'est un, je schématise volontairement à Jean-Paul, mais c'est un peu pour la galerie, voilà, regardez, j'ai de l'activité, je fais plein de choses. Il occupe le terrain. Mais en même temps, il occupe le terrain, mais ça ne l'empêche pas derrière, avec sa décontraction, comme cette petite droite là qui est arrivée. Voilà, là, solo kick, vous voyez, il est capable aussi à certains moments d'être dans un registre plus comment dire, plus puissant. Ce qui veut dire qu'il, d'un côté, il occupe le terrain et de l'autre côté, il est capable aussi de jouer en puissance. Là, franchement, des deux côtés, on a des bonnes attitudes, des bonnes réponses. Et c'est vrai qu'on a une boxe plus classique du côté de Yann Coquet, alors que Nazim Gennady, on sent, dans l'intuitif, il compose au fur et à mesure, on est plus dans le free jazz, hein, alors que de l'autre côté, c'est plus classique. Oui, complètement. Complètement. Oh oui, la droite en contre. Ouais, sur le front. Ça part très vite. Hein. Le genou qui monte bien. Yann qui réplique. Et oui, la jambe d'appui qui lui a fait défaut. C'est juste une perte d'appui. Hein. C'est pas un coup. Ouais, ça part vite parce qu'il a l'air plus détendu que Yann. Plus fluide. Plus relâché. Plus relâché. De toute façon, l'ennemi de la vitesse, c'est d'être contracté. Hein, c'est sûr. C'est les boxeurs qui sont trop tendus. Voilà, la tension musculaire est l'ennemi de la vitesse. Hein. Ah, puis il a des jambes associées avec un bon coup d'œil, Gennady, qui sont pas faciles à voir arriver, parce qu'il emprunte des routes et des angles un peu biscornus, mais ça fonctionne très bien. 5 secondes. Eh oui, bah, il va encore falloir se départager pendant 3 minutes parce qu'on est quand même pas loin l'un de l'autre, hein, là encore. Même si Gennady a le droit à une petite prime à la touche quand même. Hein, à la touche. Oui, et puis souvent, à la touche, hein. Et puis j'ai envie de vous dire, Jean-Paul, au rythme, à la précision. Ouais. Il est. Mais il ne pas brouillon. Là, regardez, puis, la bonne droite, là, il est très lisible. Alors voilà, il est plus oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Le problème, tu as vu, le deuxième round, il est à toi. Parce que le problème, c'est que tu l'as emmené. Là, maintenant, il faut que tu continues à être dessus. Il ne faut pas que tu le loques. C'est à toi de l'emmener, c'est pas à lui. D'accord, fais attention à sa jambe à la gueule. Allez, c'est la troisième et il n'y en aura pas d'autres après. Non, c'est sauf, vrai. Sauf s'il y a un extra round. Oui. Ah, c'est dans le règlement. Il va falloir que Yann soit très très virulent dans cette reprise. Il faut qu'il la remporte. Yann a quelque chose dans son jeu. C'est ce formidable gauche-droite plongeant que vraiment il possède très très bien. C'est un très beau geste. Et il faudrait qu'il arrive à associer ça avant ou après avec un low kick pour faire un petit peu bouger les mains de Gennady, qui lui arrive à se protéger, lui faire bouger les mains pour pouvoir rentrer cette combinaison de deux coups qui alors pourrait faire franchement la différence parce qu'elle est très très bien, très très bien exécutée. Par contre, sur les crochets, le problème de Yann, c'est de visser ses coups. Ça manque de tournevis. Allez, 2 minutes. Ouais, ça c'est bien.
Ouais, ça fait plusieurs fois hein, que sur un low kick, oui. Nazim parvient à déstabiliser Yann. Frappe avec l'intérieur du gant, c'est étonnant que Laurent Quesnoy ait un rythme. Il y a un autre pas, ça. Quesnoy sautait, mais c'était protégé du côté de Gennady. Une 30. Ça suffit pas ce gauche, c'est bien, mais il faudrait tout de suite lancer des actions plus dures, plus déterminées, plus déterminantes. Et surtout, là, on voit bien, depuis 20 secondes, il n'arrive pas à sortir Nazim Djelladi de sa zone de confort. Exactement. Il est tranquille, on voit bien, Djelladi. Ah ouais, puis ses jambes touchent, hein, même si elles font pas de gros dégâts. Il a touché deux fois au visage. Là, j'ai l'impression qu'il saigne du nez, maintenant, Yann Coquet. Ça va pas échapper au juge non plus. 50 secondes. Oui, c'est ça, il saigne. Et de façon un peu trop abondante au goût de Laurent Camus, l'arbitre, il l'a renvoyé dans son coin pour l'essuyer. Alors ça, c'est toujours un petit peu délicat aussi de prendre la responsabilité d'arrêter le combat pour éponger un petit peu de sang qui coule, parce que vous avez vu, bah, forcément, son entraîneur, qui est son père d'ailleurs, en profite pour lui donner des conseils immédiatement. Oui, mais j'en parle après... Bah oui, mais bon, on est en combat pro. Non, mais hein, voilà. Ce que vous dites là, c'est plus, enfin, c'est plutôt à l'arbitre d'emmener le boxeur dans le coin neutre avec le médecin ou le cutman éventuel, plutôt que de le ramener dans son coin. Exactement. C'est comme ça que ça devrait se passer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Allez, les dernières secondes. Et j'ai l'impression que la décontraction de Nazim Djelladi n'est pas seulement du fait de son style, c'est que dans la tête, il a bien compris que de toute façon, il était le dominant de cette rencontre. Exactement. Depuis le début. Regardez, ah, il y en a eu quelques-uns des comme ça. Hein. Voilà, ça c'était un bon passage là pour... Yann Coquet avec une boxe bien déliée. Là le contre avec le low kick et le crochet gauche de Coquet. Ouais, mais le crochet gauche encore avec la main pas vissée comme il le faut. Ça, c'est joli, ça, c'est tibia hein, qui est venu en contre à la mâchoire. Et déclaré vainqueur à la majorité des juges. Ouais. Décision partagée. Même Yann Coquet fait oui, c'est-à-dire qu'il approuve cette décision. On le salue pour son fair play. Ouais. Tout le monde n'aurait pas réagi comme lui. C'est une très très bonne chose d'accepter la décision, parce que quoi qu'il en soit, ils étaient très proches. Et bravo à Nazim Djelladi qui a fait un combat très intelligent.